vos films qui sont souvent construits sous forme de quête. Donc, vous partez avec un questionnement très, très précis. Puis, vous êtes à la recherche de quelque chose. Fait que cette espèce de construction narrative-là sous forme de quête, puis aussi très individuelle. Donc, vous êtes au centre de vos films, vous êtes souvent très présente. Soit on vous voit carrément, vous êtes un protagoniste ou peut-être un des protagonistes principaux. Ou alors, on vous sent derrière la caméra, on entend votre voix comme dans Le Chant d'une sœur. On sent vos mouvements de caméra. On sent votre présence, en tout cas, dans tous les cas. À un moment donné, je vous avais entendu parler dans une entrevue puis dire que vous vous questionnez sur qu'est-ce que c'était de faire du cinéma en tant que femme ou de trouver sa voie narrative en tant que femme. Fait que je me demande, est-ce que c'est une question qui est encore présente? Pour moi, faire le cinéma documentaire, c'est comme une recherche. Une recherche tellement privée et personnelle qui me donne la force pour faire un voyage avec moi-même et avec les choses que je regarde. Parce que si je sais qu'est-ce que je regarde ou qu'est-ce que c'est le final point, donc, et j'ai pas le sens pour faire tout le voyage. C'est difficile parce que quand on cherche l'argent pour faire un documentaire, on a un argument, on veut faire voir des choses très précises. Mais pour moi, c'est comme une exploration de vie, c'est une exploration des de choses que je connais pas. Donc, si j'ai pas cet élément-là, j'ai pas la raison de faire. Donc, je trouve que c'est toujours une recherche intellectuelle, émotionnelle, artistique, qui part de moi, pas parce que je suis concentrée en moi-même, mais parce que je cherche la connexion que j'ai comme femme et avec eux comme personne. Parce que l'idée des femmes, c'est commencer avec... J'ai pensé à l'idée de cinéma de femmes de from that point, pas parce not because it's un cinéma de femmes ou parce que je suis femme, mais parce que ça commence de moi. Donc moi je suis femme, je suis mère, je suis conjointe, je suis beaucoup de choses qui sont part de ma vie personnelle, de gender et de cette point là. Je cherche la structure narrative, la structure artistique. Et des fois, c'est plus bon que les autres. Je trouve que I manage better at times. Des fois, j'ai trouvé que je suis tellement influencée des voix masculines parce que les mondes que je suis rentrée sont des mondes est très masculin, comme dans le monde grec orthodoxe, le monde de circoncision. Et maintenant, dans mon travail, je cherche le voie qui ne cherche pas la solution, ne cherche pas le point final, mais l'exploration de la fabrique de vie, non? De les choses qui ne sont pas claires, mais qui ne doivent pas être claires. C'est ça. Mais dans Le Chant d'une sœur, on la sent très bien, cette quête-là, justement. Puis, c'est un film, finalement, qui est sur deux sœurs ou sur la quête d'une des sœurs qui va retrouver sa sœur qui est religieuse en Grèce puis qui veut essayer de comprendre si elle va réellement mal ou qu'est-ce qui arrive avec elle. Puis c'est un film qui est... finalement, c'est un film sur deux femmes, deux sœurs, mais aussi sur... il y a aussi le personnage de la mère dans ce film-là qui est important, qui essaie de trouver comment agir avec ses filles, puis il y a aussi toi dans ce film-là. Fait que c'était comme un peu un film sur quatre femmes, finalement, d'une certaine façon. Mais moi, je suis la caméra. Donc, pour moi, sortir ma voix de la narrative même, mais avoir ma voix dans la caméra, parce que sans la caméra, on n'a pas l'histoire. Donc, la caméra était tellement connectée au personnage. Mais c'est commencé avec Le Chant des Patriarches, parce que j'ai vu la confiance du personnage dans un autre film. Et j'avais besoin d'avoir le blessing de le père de la sœur, la sœur Jérusalem, pour faire ce film. Donc c'était tellement une chose délicate, avoir la possibilité de rentrer dans ce film avec la vision de caméra. C'est comme une confession room. Avec le personnage.
Pour nous, c'est vraiment, c'était une recherche avec Marina pour avoir la vérité, pour avoir qu'est-ce qui se passe avec sa sœur. Je ne sais pas si la voix de si les femmes ou ma voix. Je ne veux pas parler pour les femmes. Mais je sais que je suis influencée beaucoup pour des gros voix des hommes, que ce soit dans les personnages de mes films, dans la structure cinématographique. Et j'ai trouvé que, in my experience, j'avais besoin tout le temps d'arriver to a point that had a point, that was okay. On va. Ça c'est l'histoire. Ça c'est la conclusion. Ça c'est ça. Ça c'est la réalité. Ça c'est la vérité. Et j'ai trouvé que c'est tellement difficile de faire ça. Et je suis comme, c'est comme ouvrir Netflix aujourd'hui et voir le même film tout le temps, voir le même façon de conter une histoire. Et moi, je cherchais quelque chose. Je cherche quelque chose aujourd'hui qui sort de ce chemin-là. Donc, c'est un peu commencé avec La Charme d'un sort, parce que là-bas, j'ai vu que je peux contoir une histoire avec de silence, avec des choses qui ne sont pas résolues, parce qu'on n'a pas la résolution. Et j'ai aussi un problème dire aujourd'hui, ça c'est ma opinion, ça c'est ma position, c'est seulement ma position, parce que je m'intéresse plus aujourd'hui sur qu'est-ce que sont les voies collectives de voir la réalité, de voir la vérité, de comptoir notre expérience dans la vie. Et pour moi, ça c'est une recherche personnelle. Donc c'est pour ça que j'ai commencé le film avec mon personnage dans le film, avec une façon very funny, or not funny, it's a boy. Et je cherche tout le temps how to tell documentary stories from a new perspective, from a form perspective, from a... je sais pas comment on peut dire en français, it's like a journey. Mm-hmm. Si on revient au chant d'une sœur puis à la chambre du patriarche, t'es quand même allée dans des milieux très très fermés, traditionnels. Est-ce que c'était facile d'arriver à rentrer dans ces milieux-là avec une caméra puis de convaincre les gens de les filmer dans leur quotidien ou de sortir aussi un peu de toute cette intimité-là puis cet aspect sacré du lieu pour l'amener à l'écran? Est-ce que c'était complexe? Puis en fait, est-ce qu'une fois que le film est monté, vous le montrez à ces personnages-là pour avoir leur retour? Ou comment vous fonctionnez? Et à Jérusalem, quand j'ai tourné à Jérusalem, j'arrivais à un point que j'avais pu... I didn't have any more where to go because it was a very closed. Non, comme la ville est fermée, la société est fermée, the monks were closed, like le patriarche dans sa chambre était fermé, tout était fermé. Et quand j'ai trouvé le personnage de le petit Rinéo, et le monde s'est opened up completely. Et they saw me as an agent of change. Et moi, j'ai rentré dans un aspect cinématographique fabuleuse en Grèce. It was like a dream for a filmmaker, avec le scénario et avec le... C'était tellement ouvert, mais c'était ouvert pour une façon... Like, they wanted me to tell their story. Donc, c'était tellement contrôlé par la part des monastères en Grèce. C'est les deux ensemble allowed me to gain access, but it took many, many, many years to then get into the chambre, trouver les façons de rentrer de nouveau à Israël, de nouveau à Jérusalem. I was already living in Montreal, and c'était plus facile venir d'ici que rentrer dans la réalité là-bas. Donc, j'ai utilisé tous mes contacts, toutes les façons pour re-rentrer dans la ville de Jérusalem, dans le monastère du patriarche, et that took many, many years. It took, yeah. Puis
Il y a une scène à la fin où tu finis par réussir à rentrer dans la chambre du patriarche, de l'ancien patriarche. Puis c'est une scène très, très touchante. Puis on voit aussi, je pense qu'il y a un moment où il dit « Please help us » ou quelque chose comme ça. Puis c'est la première personne qu'il voit depuis des dizaines d'années. Fait que est-ce que, j'imagine que ça, c'était beaucoup de pression aussi en tant que cinéaste de sentir qu'il y a comme un devoir d'aider cette personne-là ou cette communauté-là? It was the whole scenario of La Chambre des Patriarches is très politique. Everybody had an interest. And I knew that everybody had an interest. Everyone. And that's why it was so difficult to tell this is the truth. Because everybody has a different version of the truth. And to find the truth, c'était impossible à Jérusalem. Enfin, je pense qu'on a trouvé la vérité parce que the hotels have been sold, et le Jaffa Gate est complètement part du système des colons de la vieille ville aujourd'hui. Et donc, in a distance of, you know, 6 years qui sont passés dès qu'on a fini le film, et this is what happened, non, à Jérusalem. Et, donc, mais le patriarche lui-même, et his body was like stiff by someone who hadn't touched him for years. No, it was like really, really. I couldn't believe that I was in there. I was in a state of shock myself. And then he couldn't talk very well. So there was this idea of like, how do I film him in this place? How do I film him? His mind wasn't entirely, completely there. So it was full of ethical dilemmas. At the end of the tournage, I showed, of course, the film to toute la communauté. And they were very much okay with the film. Oui. Pas Theophilus et tout le monde qui était dans plus the one that I was confronting more. But I always show my films to le personnage avant que le film termine. Je me pose une question tout le temps, et c'est comme une maladie. Moi, je commence pas pour moi, je sais qu'est-ce que je pense. Je commence de moi, je comprends rien et je voudrais comprendre. Mais si je comprends quelque chose, j'ai immédiatement I go to I don't understand. Non, mais je cherche la façon de le voir différemment. De le voir, de questionner tout le temps pourquoi je regarde les choses comme ça, pourquoi je pense ça. Et c'est des moments que je commence à écrire un film que jusqu'à le moment final de fermer le film. C'est comme une long procès de recherche et de voir, OK, et c'est qui le personnage? Qu'est-ce qu'il passe avec le personnage? Qu'est-ce que c'est la vérité de le personnage? Comme je le regarde moi avec ma caméra? C'est-tu comme... Ouais. Puis si on revient à la question de montrer le film au protagoniste, une fois le montage terminé, ça c'est quelque chose que tu fais régulièrement pour avoir leur feedback? I would like to make sure that I have not edited something that is wrong, that I misunderstood something that somebody said. If I misunderstood something that somebody said or something that somebody did, I will feel that I'm lying. With Sister Jerusalem, it was more complex because she had somebody else that was also, she was accounting for. I knew that it wouldn't be between her and I, it would be between her and Yerondas. And because Marina wanted to write a letter to her sister, she only wanted her sister to hear her, to hear her pain. So in the end, the film becomes more of Marina's journey because it's kind of a letter that Marina sends to her sister in a way. And that's how Sister Jerusalem saw the film at the end. Like with no intervention for nobody. Ouais. Puis dans ce film-là, en fait, t'as un peu un rôle de confidente. Oui.
il y a une sorte de relation de confiance qui se développe, on a l'impression, en tout cas entre Marina et toi, ou t'es quand même dans l'intimité de cette famille-là ou de ces sœurs-là. Comment ça s'est construit, puis comment est-ce que tu as trouvé ces deux personnes-là qui commençaient une quête, ou en tout cas Marina qui était sur le départ de la quête, puis je me demande aussi à quel point est-ce que ta présence a influencé cette trame narrative-là qui s'est développée? Moi, je pense que ma présence a influencé beaucoup le trame narrative. Et I'm not hiding it. Mais j'ai trouvé que quand j'ai sorti ma voix dans les questions, les deux sœurs had the presence that they needed. Because it was their story, but I enabled their story with the camera. So the camera is very, very in your face. It's very intimate. It's very close. Because I was very close to them. And that's why they talked to me. So it was a real intense 2-week journey that the one sister made to find out why her sister is not happy, where we really bonded, the three of us. And it was amazing. It was one of the most incredible things I've ever filmed because I felt very privileged and at the same time, very responsible for what I was receiving on camera. And so then I had to edit it together in a way that was very respectful to both of them, that didn't pass judgment on either of them, even though I had my opinion. I thought I had my opinion. I think you can see it in the film, but it's always trying not to judge, not to draw a conclusion, but to kind of just touch upon what I felt was really happening there. Mm-hmm. That's why I felt that this film was more about the process than about finding answers. And maybe that is what I love most about discussions that I have with women at times, or with where we really don't need to say certain things because it's so clear. It's so there, it's so emotional, it's so kind of, we don't need to say, that's what it is, right, I think. Mm-hmm. So. Et justement, par rapport à la fin de ce film-là, il y a quand même quelque chose qui se clôt. T'sais, c'est comme si c'était, on arrive à une conclusion avec Yerandas qui lui ouais. propose de retourner chez elle. C'est comme si il y a quelque chose d'un peu magique dans le fait que ça se soit vraiment produit. Mm. Puis ça clôt le film, c'est comme si ça... En tout cas, moi, ça me laissait satisfaite. Ah avec oui? Mais satisfaite qui est comme une fin. Oui, ça. Je suis contente. Parce que le fin, on n'a pas... There's never an end, right? There's never an end and there will never be an end. Et moi, je trouvais que le fin... Quand j'ai filmé... I knew that the end was going to be two separate images. Je savais que she wasn't going to stay. C'était clair que pour moi que there was no way she could stay. And so the last two images were Sister Jerusalem retour en Grèce complètement avec rien, and she goes back. For me, that is such a powerful moment where she just abandons herself to going back to her home, and then Marina that is driving and just has no answers, and she's just kind of looking out, and you know that this is going to be open. And for me, that's the strongest conclusion. And it's okay that it doesn't have the answer of who was Yerondas and how is Yerondas influenced, because we don't need to go that far to understand it. Mm-hmm. Ouais, c'est... Puis un des aspects qui est très présent dans vos films aussi, c'est cet aspect du privé qui devient politique. Mm-hmm. Donc, ou l'inverse, finalement, de traiter d'un sujet comme du conflit israélo-palestinien, mais à l'intérieur même d'une famille, comment ça se traduit ou ça se reflète dans un microcosme. Mm-hmm. Il y a aussi cette question-là de la circoncision, qui est déjà très personnelle, mais qui est aussi traditionnelle, religieuse, politique, part aussi, mais qui est traitée vraiment à travers l'expérience de ta famille, finalement, puis tes questionnements à toi. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est quelque chose de réfléchi? Comment tu abordes ça? Je pense que j'ai grandi à Jérusalem à un moment très important, 1970, 1980.
Et c'était un moment dans le monde tellement fort dans cette ville. Et j'ai grandi dans une question politique et constante. Donc, I had the feeling that it was all on my shoulders. I don't know why, mais c'était comme quelque chose que peut-être parce que mon père est un journaliste, ma mère aussi, dans un contexte d'une ville tellement forte comme Jérusalem dans les années 90, oui. Et c'est pour ça. Donc j'ai pris toute cette énergie dans mon cœur. Et je me sentis comme responsable de trouver des histoires qui partent de ce moment-là. Et oui, je pense que ça... Je suis une only child aussi. Donc, et mon père était vraiment intellectuel. Donc, moi, je suis une personne émotionnelle. Et j'ai vu que dans ma famille, je peux explorer et les questions politiques d'Israël et Palestine d'une manière very directe. Et j'ai trouvé les réponses à des questions touchantes et dans ma relation avec mon père that were a reflection of the Israeli-Palestinian conflict. And I think we were very political beings. We are still very political beings, and it really influences your life. Where are you going to find a house? Why this house and not that house? In which neighborhood are you going to live? How can you live in this neighborhood? It's so much full of contradictions in Israel and in Jerusalem that it really affected me personally. So that's the reason I think that I keep on going back to finding the political and the personal and the personal and the political, because I do believe that that is what we are. Mm-hmm. And that is why the journey or the questions that we ask, that I ask, are so personal to me. I don't know what it's going to be like for my children that are growing up in Montreal. It's very different, I guess. I don't think they're going to see themselves as political beings. But I don't know if that's a generational thing as well, if you see. Mm-hmm. Dans plusieurs de tes films, là, comme La Chambre du Patriarche, Si c'est un garçon, puis là, le nouveau film sur lequel tu travailles, sur l'architecture du pouvoir à Jérusalem. Oui. C'est ça, ben, comme on discutait tout à l'heure, c'est des milieux très, très masculins dans lesquels tu réussis à t'initier, mais qui sont des milieux aussi peut-être nouveaux ou étrangers pour toi, les milieux, notamment ces milieux religieux, orthodoxes, oui, etc. Oui, oui. Comment tu arrives à trouver ta place ou à définir ta voix là-dedans? Est-ce que, est-ce que c'est complexe de la position de laquelle tu arrives ou est-ce que tu sens? C'est comme une aventure. C'est quand on rentre dans un avion et on part pour quelque part. Et you are on that journey. And that journey takes you to a story. And it takes you to meet people. And you build your life. And all of a sudden, your life is built. And it's 10 years later, and then you're in that story. And you didn't mean to be in that story, but you were in the story. Pour moi, le ciné documentaire, c'est comme une façon de vie. C'est pas un métier, c'est vraiment une façon de vie. Donc, des fois, maintenant que je suis à la maison avec tout l'équipement et the screens and everything, et mes enfants sont là-bas, j'ai trouvé que j'ai besoin de sortir de la maison parce que everything that I feel in my films is now also in my family. It's like too much, c'est tellement mélangé que j'ai besoin de retourner au travail maintenant. Je ne peux pas plus travailler de la maison parce que it just became too much. Mais les questions que je me pose ne sont pas seulement questions qui sont part de ma vie professionnelle, sont part de ma vie personnelle aussi. Donc, making these films is kind of like making dinner, you know? Like I treat it in the same way. Est-ce que tu peux nous parler des projets sur lesquels tu travailles actuellement? Et je travaille sur deux projets. Et un projet s'appelle All That the Walls Can Hold. Et c'est un projet sur ma mère. Et
Et je filme ma mère dans sa maison en Italie. Elle habite où mon père est buried. Et it's everything she has, the house, my father, le livre dans la maison. Et j'essaie de comptoir l'histoire d'une famille juive israélienne qui part de la ville, that leaves Israel and finds itself in a small country house in Italy, where everything in this house reflects to me the history of the 20th century. So it's a project that I'm working with a Lebanese illustrator and animator. So I'm looking for the story of the past 60 years of European, Israeli, American history through the walls of my mother's house and my relationship with my mother as she's growing older and more fragile and more fragile and more fragile, and I'm far away from her. And so it's a very intimate film about my mother and I. Easy. And that's a very feminine movie, but it's interesting that it's my mother for the first time. Donc je travaille sur un film très personnel sur ma mère et qui habite loin de nous en Italie aujourd'hui, et aussi sur un projet énorme qui a une partie et une part que c'est un film de réalité virtuelle et un film sur l'architecture des pouvoirs à Jérusalem. Oui, mm-hmm. C'est ça le futur. Oui. Puis la dernière question que je voulais poser, parce que là on arrive vers la fin, ça concerne les techniques d'entretien ou la façon dont tu arrives à aller chercher des informations qui sont parfois difficiles à aller chercher ou que les gens, on voit parfois dans les films que les gens n'osent pas donner l'information parce que c'est peut-être confidentiel, comme dans la chambre du patriarche, il y a des gens qui sont très très sceptiques à parler. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu fonctionnes dans ces moments-là? Parce qu'on voit que tu les approches avec aplomb parfois, puis tu répètes la question, puis il y a l'air d'avoir une espèce de fougue qui est présente, puis une curiosité qui, en fait, qui donne une énergie. Putting myself in a film, mettre moi-même dans un film, ça m'a libérée d'une façon, parce que j'avais la possibilité de questionner les personnages et de montrer comme je le fais. Et beaucoup de fois, la réponse est dans ma question. Donc, si quelqu'un ne veut pas me répondre, ne veut pas dire quelque chose, donc moi, je suis là pour, OK, I'm going to show this. I'm going to be very transparent as to what is going on here. Et c'est m'aider de construire le film avec une façon plus narrative. J'avais la flexibilité et dans l'édition de démontrer la façon qu'un film était, how it is made, and be honest about it. Donc, c'est, je sais quelque chose et la personne ne veut pas me dire ça. Et le caméra, je peux dire, mais you told me that this is what you did. And pourquoi maintenant you're not saying it? C'est ça. C'est comme jouer un peu avec le personnage, spécialement avec un personnage comme Theophilus, qui est comme le grand, he's like a politician. So politicians always want to be like, this is me and this is how, and so you can't really interview them. You can only be like playful and try to show the situation. C'est intéressant parce que the movies you are asking me about are so different. Oui. Donc j'essaie de faire des connexions, mais je pense qu'ils sont vraiment différents. Et ces trois films. J'ai autre film qui ont plus de connexions personnelles. Mais le film que vous montre maintenant sur Tank sont vraiment des espèces de films différents l'un de l'autre. Comme ça fait un portrait plus global, plus oui. Plus épars. Oui. Mais oui, en fait, j'avais la question des publics aussi, parce que c'est quand même plusieurs des films traitent soit de Jérusalem ou de la situation en Israël, d'autres d'aspects très personnels. Mais quand tu les fais, est-ce que tu as un certain public en tête que tu essaies d'aller rejoindre ou est-ce que tu penses aux gens qui habitent en Israël? Est-ce que tu sens que la réception du film c'est le grand problème de ma vie.
Parce que moi, the one thing they tell you in film school or in general is like, you have, who is your audience? Et c'est vrai. I think I would be a lot more successful if I thought about the audience. Mais je trouve que pour moi, je cherche la vérité pour moi-même. Et j'espère que dans cette recherche, je trouve quelques other people that are looking for the same sense of truth. And that is, whether they speak Hebrew, whether they speak French, whether they speak English, it's a kind of a very mixed audience. Yeah. And it's difficult because there's so many different languages. There's sometimes where I start talking to someone in English, but then we pass to Hebrew, and then we pass to French. And I think that everybody is with me on that voyage, but then I realize, no. You can only speak one language. So I look for the universality of a truth, the universality of a question, and hope that I don't need to explain so much to publics that are not so knowledgeable, let's say, with the political context, that they will understand. Moi, je trouve que we can give more to the public. Like, the audience is more intelligent than what we think they are when we think about who is your audience, what do they need to know. Like, I feel that we can challenge audiences more to find out answers to questions that are not inside the film, that we don't spoon feed people with information, with answers to everything. Like, the last thing I want to do for an audience is give them an answer. And it's funny because I'm asking a question, right? But it's almost like if I give them the answer, when what's the point? Fait qu'en fait, tu les amènes dans le processus de recherche. C'est comme si j'essaie le if I know the answer, I can't move anymore. It's kind of, c'est pour ça que c'est comme une façon de vivre. C'est comme si on a toutes les réponses pour tout, then what's the point? Ouais. Merci énormément d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de discuter merci à vous. Avec toi. Et puis, c'est ça. Donc, les trois films, Le Chant d'une sœur, La Chambre du patriarche et Si c'est un garçon, vont être disponibles sur Tank pendant, pendant 2 mois. Non, merci à vous. Je suis tellement honorée d'être part de la sélection de Tank. J'adore le canal, la sélection et d'être part de cette conversation. Merci à vous.